Et je, et je lui demandais, mais est-ce qu'on est déjà si vieux que ça euh, C'est vrai qu'en euh, descendant euh, ici tout à l'heure, je disais à Jean-François, j'ai l'impression de m'avancer vers le poteau d'exécution. Euh, euh, ce que je voudrais dire, je suis content d'être ici et je, je vous remercie d'être là. Je voudrais, euh, comme euh, tu viens de le faire, Richard... Et remercier le collectif des, des étudiants euh, et les responsables du, du programme doctorat et qui m'ont invité ici. Euh, je remercie en particulier euh, Saïd euh, qui, euh, par je ne sais quel sortilège, est parvenu à me faire sortir de, de Johannesburg et arriver à temps ici. Jean-François est en train de ricaner. Euh, euh, il, il sait de quoi je parle. Et en fait, je ne m'en suis rendu compte que dans, dans l'avion qui me conduisait ici, euh, Saïd a, a bien préparé son, son coup, euh, puisque, euh, comme pour ma pâtée, il, il m'a placé en les mains de, de ses deux copains, euh, Jean-François et Richard, euh, que je suis évidemment très heureux de, de revoir. Et comme il l'a souligné lui-même dans, dans sa généreuse introduction, euh, je dois beaucoup à, à Jean-François. En fait, lorsque je suis arrivé ici à Paris comme étudiant au début des années 80, euh, euh, il a été la, la première personne que, que j'ai rencontrée. Je l'ai rencontré euh, aux éditions Cartala, euh, chez, chez Robert Agenot qui, qui est là. Et euh, Jean-François avait travaillé sur le Cameroun. Il avait écrit euh, vers la fin des années 70. Un, un classique, L'État au Cameroun. Et, euh, et euh, il m'avait demandé euh, ce sur quoi je travaillais. Et je lui avais expliqué que je travaillais sur le mouvement nationaliste au Cameroun. Et il avait tout de suite demandé à lire euh, le, le mémoire de maîtrise que, que j'avais produit à cet effet. Et euh, euh, par la suite. Il avait rédigé, je crois, quatre pages de commentaires sur, sur ce mémoire, euh, euh, chose qui, à l'époque, m'avait semblé euh, extrêmement généreux. Et on a travaillé ensemble par la suite. Et, euh, et comme le soulignait Saïd, euh, il n'est pas seulement un ami, il est, il est un, un, un compagnon. Saïd et ses collègues m'ont demandé de partager avec vous quelques réflexions sur le thème Penser l'Afrique à partir du continent. Je voudrais, d'entrée de jeu, souligner la difficulté qu'il y a à traiter de ce sujet. Il va de soi, et là je réponds un tout petit peu à euh, certaines des observations de Saïd, il va de soi que je ne m'exprimerai pas ici au nom. Des, des Africains euh, tout simplement parce qu'ils ne me l'ont pas demandé et je ne m'exprimais pas non plus en tant qu'Africain même si le souci que je porte à l'Afrique va s'en dire ma position est celle de quelqu'un qui aura passé sa, sa vie d'adulte à traverser le continent et cette traversée n'est pas encore terminée. Euh, certes, euh, je vis et je travaille une bonne partie de l'année en Afrique, mais pas dans mon pays natal. L'Afrique du Sud, qui est désormais l'objet privilégié de mes observations, est un pays africain, certes, mais elle est un peu plus ou un peu moins que cela tout dépendant évidemment euh, de, de celui ou de celle qui parle. Ce qui indique euh, clairement que le continent ne peut pas être conjugué au singulier comme, comme vous le disiez vous-même, euh, Saïd. Je dois ajouter que, euh, parce que la question que, que pose Saïd, c'est à partir d'où euh, articulez-vous votre discours je dois dire qu'en Afrique, ma, ma réflexion sur l'Afrique est celle d'un marginal et pas vraiment celle d'un autochtone. Puisque bien qu'étant euh, né là-bas, j'appartiens également à un ailleurs, je viens d'évoquer Jean-François, je pourrais en évoquer plusieurs autres, ici en France ou, ou aux États-Unis. Euh, euh, dans ce cas. D'où euh, ces incessantes allées et venues et le risque d'inauthenticité que mon propos risque de susciter auprès de ceux d'entre vous qui ce soir seraient en quête d'une bonne voie d'Africains sur l'état du continent et qui euh, me jugeront soit trop pessimiste, soit pas assez radical ou encore trop postcolonialiste. Mais lorsqu'il s'agit de l'Afrique dans le champ du savoir contemporain, il me semble qu'il y a une deuxième difficulté, plus grave encore que la première, et qui a trait au, au climat de, de philistinisme qui caractérise notre époque. Et je voudrais dire un ou deux mots justement sur, sur ce climat de philistinisme. La définition classique veut que le philistinisme soit cet état d'esprit qui juge de tout en termes d'utilité immédiate et de valeur marchande. Un état d'esprit qui n'a donc pas Dieu pour des occupations aussi futiles du moins en apparence, que l'étude de l'Afrique. Mais il y a un philistinisme d'un genre nouveau qui, lui aussi, tend à délégitimer tout discours critique ou, disons tout simplement, tout discours raisonnable sur l'Afrique. Ici, je pense à quelque chose de plus troublant et qu'il nous faut bien appeler la volonté d'ignorance, la, la passion de l'ignorance et de la méconnaissance. Je veux dire que nous faisons l'expérience d'un temps au cours duquel être ignorant en général et être ignorant en particulier au sujet de l'Afrique est une passion. Et plus on est passionnément ignorant au sujet de l'Afrique, plus cette ignorance autorise l'arrogance, je dirais, la, la plus éculée, et une agressivité qui n'a plus besoin de porter des masques, puisque l'un des principes qui sous-tendent l'ignorance et l'arrogance, c'est justement le respect des forts. Or, l'Afrique étant faible, rien ne justifie dans cette logique de la respecter, encore moins de la connaître. Voilà ce que me suggère, par exemple, le discours du président français à Dakar, au Sénégal, il n'y a pas très longtemps. Et donc, euh, je voudrais répéter que, euh, disons, euh, euh, cette difficulté qu'il y a, euh, qui a toujours été là, euh, Jean-François le, le souligne dans l'introduction de son, son livre L'État en Afrique, qui a toujours été là, de tenir un discours raisonnable euh, sur l'Afrique euh, à l'âge de la méconnaissance, c'est-à-dire euh, un âge dominé. Par la production de signifiants dont l'exacte fonction est justement de ne jamais rien signifier. Et donc un, un temps qui privilégie les stimulations, les affects, les sentiments et l'expression euh, débridée d'un sentiment victimaire, la recherche des boucs émissaires, et la logique soit du ressentiment ou de la pitié et euh, je suis en train de dire que euh, ce, ce, cette logique, euh, on la retrouve aussi bien ici aux États-Unis qu'en Afrique même. Et donc, euh, ce qui fait autorité, ce ne sont plus les preuves, mais les convictions intimes, les proclamations de sincérité, les états de fait, mais des faits dont on n'a plus besoin de rechercher les causes. Et donc voilà pour ce que j'appelle le, le philistinisme, euh, qui rend la tâche de production des connaissances sur l'Afrique extrêmement euh, compliquée. Mais ce qui se dégage quant au fond des remarques que je viens de faire, et c'est là la troisième difficulté, c'est, Saïd me demande, mais c'est quoi l'Afrique c'est le caractère polémique que le terme Afrique, le nom Afrique, a fini par revêtir dans l'entendement de notre temps. Car dans l'entendement de notre temps, chaque fois que l'on prononce le nom Afrique, on ne convoque pas seulement un fait physique et géographique, on convoque aussi euh, presque immédiatement parfois inconsciemment, une série d'images, d'attributs supposés typifier les, les êtres qui habitent cet espace, et en particulier euh, leur rapport à, à une vie dont la durée n'est jamais certaine, parce que la paillasse où la mort est allongée n'est jamais loin. Je reviendrai sur ce problème. Euh, dans, dans un instant, euh, puisque euh, Saïd, vous dites euh, que, dans mon, que mon champ lexical sur l'Afrique est, est de nature funeste. Je veux dire que chaque fois que nous prononçons le nom Afrique, nous faisons venir à l'esprit la figure vivante d'un monde à part. Ce avec quoi beaucoup de nos contemporains éprouvent la difficulté à s'identifier, une réalité dont nous ne parlons souvent que sous une forme lointaine et anecdotique, à la manière d'une parenthèse grise. Et ça, je l'observe, y compris là où je vis à Johannesburg. Et je le répète, c'est des choses que j'observe en Afrique même, en France ici aux États-Unis. Car à nos yeux, la vie en Afrique n'est jamais une vie humaine tout court. Elle apparaît très souvent comme la vie de quelqu'un d'autre, d'autres gens dans quelque autre lieu loin de chez nous, euh, ailleurs. En tant que telle, elle suscite de temps à autre de la pitié et des gestes de charité. On l'a vu récemment avec l'Arche de, de, de Noé ou de Zoé, la politique du, du bon samaritanisme. Et donc, faute de partager un monde commun, eux et nous, notre politique à leur égard, y compris notre politique du savoir, ne peut guère être une politique du semblable. Ou comme le demande Jean-François euh, depuis très longtemps, euh, politique du semblable, la banalité, ce qu'il appelle la banalité des de, 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 de sociétés africaines. Elle ne saurait être qu'une politique de la différence, puisqu'au fond, nous ne partageons pas un monde commun. Et donc, pour résumer tout ceci, le cœur de, de cette difficulté... Je dirais qu'elle s'origine dans le fait que dans l'esprit public, aussi bien que dans les différents champs du savoir, le nom Afrique renvoie à une sorte d'arbitraire primordial, celui des désignations auxquelles rien en particulier ne semble devoir répondre, sinon le préjugé inaugural dans sa régression infinie. Et donc lorsqu'on prononce le mot Afrique, l'on suppose toujours de manière générale que le non-sens est déjà compris, déjà là, dans le mot même. Et que donc dire l'Afrique consiste toujours à, à, à rentrer dans une régression infinie du présupposé, à bâtir des figures n'importe lesquelles au-dessus d'un vide. Je dis tout ceci, je lisais euh, dans l'avion euh, le texte de Raymond Roussel. Roussel euh, a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont euh, un intitulé Impression d'Afrique Raymond Roussel est un auteur qu'aimait beaucoup euh, Michel Foucault. Euh, Raymond Roussel, dans ses impressions d'Afrique, il dit, et je le cite, il suffit, euh, s'agissant de, de l'Afrique, il suffit de choisir des mots ou des images presque semblables, d'y ajouter des images et mots pareils, mais pris dans des sens différents, et l'on finit toujours par retrouver euh, le compte dont on avait déjà, de toutes les façons, connaissance. Voilà comment Roussel décrit, disons, en une phrase, ce que j'essaie d'élaborer en plusieurs. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on s'efforce de penser l'Afrique, non pas nécessairement à partir du continent, mais dans le mouvement, en tout cas dans mon cas, qui consiste à aller et venir, voilà un certain nombre d'impasses auxquelles on est confronté, ou en tout cas un certain nombre d'impasses que je m'efforce à, à, à mon petit niveau de garder à l'esprit. Ces impasses, il est possible, sinon de les surmonter, du moins d'en minimiser les, les effets pervers. Encore faut-il être disposé à sortir des territoires académiques Établi, des calculs institutionnels ou disciplinaires classiques, et d'une représentation académique de la recherche organisée dont l'unique fonction est de reproduire les pesanteurs réglées. Encore faut-il passer par des voies obliques et transversales afin précisément de mettre en communication des domaines que l'on sépare généralement. C'est pour cela que je n'ai pas, eh, Saïd et Alex et les autres, beaucoup aimé le sous-titre que vous m'avez assigné, enjeu pour la science politique, parce que, si vous le voulez, je vais... Science politique... Euh, écoutez... Non, non, non. non vous, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que les, les enjeux, ce n'est pas vraiment... Pour la science, pour les enjeux sont, sont, sont ailleurs. En tout cas, pour ceux qui me concernent, si tant est que la science politique fait partie de ces calculs institutionnels dont euh, la fonction est de, de reproduire ce que j'appelle les pesanteurs réglées. Je crois donc que pour penser la situation historique contemporaine, il faut absolument rompre avec les modes de pensée et les principes hérités de l'époque des systèmes. Et je dois vous dire que sur le continent même, cette tâche n'a pas encore été accomplie. Il faut en sortir en réactivant ou en réanimant des catégories dites classiques, en les ajustant si possible à des objets nouveaux. Et Dieu sait qu'il y a en Afrique des objets nouveaux en les mettant constamment à l'épreuve de situations qui peuvent paraître inédites euh, ou, ou spécifiques. Je suis convaincu pour ma part que toutes les disciplines des sciences humaines, et pas seulement les sciences politiques, devraient trouver en Afrique des formes et une urgence nouvelle. J'insiste sur cette question de l'urgence. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette thématique de l'urgence. Ainsi, par exemple, il est possible de développer à partir de l'Afrique une critique politique faite d'objets nouveaux, d'incursions expérimentales dans des domaines inexplorés, mais une critique politique qui, parce que dynamique, requiert un rapport étroit à la philosophie, à l'histoire, à l'anthropologie, à la littérature, à la musique, voire la psychanalyse. Mais pour faire de l'Afrique un lieu de provocation intellectuelle, un, un espace d'invitation à l'exploration, un lieu de stimulation pour ceux et celles qui veulent s'orienter dans des directions nouvelles, il nous faut tourner le dos au type d'exercice qui, qui ne consiste qu'à dire une fois de plus ce que l'Afrique est ou ce qu'elle n'est pas. Lorsque vous, vous, vous examinez ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque africaine, l'ensemble, des connaissances, dont nous, disposons, connaissances guillemets, dont nous disposons sur le continent. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plus grande partie se pose ces deux questions. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'Afrique Qu'est-ce qu'elle n'est pas De quoi manque-t-elle Il faut changer de perspective et il s'agirait alors de réfléchir plutôt sur le monde, de notre temps mais à partir de l'un de, de ces nombreux doubles. Jean-François a écrit un livre récemment, Le gouvernement du monde. Moi, j'aimerais bien écrire un livre, Le double du monde, ou Les doubles du monde. Et donc, l'idée serait d'articuler une réflexion sur le monde, mais une réflexion qui parte. d'un de ces nombreux doubles, l'Afrique étant un de ces doubles, hein, l'Afrique étant euh, l'une de ces nombreuses faces ombreuses. Le terme face ombreuse vient ici de Jean-Pierre Vernon, qui, dans un texte qui dont le titre m'échappe en ce moment, étudie la figure du colossus en Grèce antique. Le colossus, c'est cette espèce de figure massive que l'on plante au milieu d'une tombe dont la dépouille n'existe pas. La dépouille, elle est ailleurs. Le colossus fait figure de substitut euh, du, euh, du, du corps absent. Et, et c'est ce qu'il appelle la face ombreuse de, euh, du, du vivant. Donc la question ici n'est en point ce que le monde peut faire pour l'Afrique mais plutôt comment une réflexion critique sur l'Afrique permet de lire le monde avec des yeux, sinon nouveaux, du moins à partir d'une autre optique, de dire au sujet du monde deux ou trois choses que l'on ne peut concevoir et dire qu'en partant de l'Afrique, certes, mais aussi en prenant au sérieux le tissu de relations entre celle-ci et les mondes autres. Voilà pourquoi euh, Saïd, mon projet n'est pas de savoir comment se tenir debout tout seul, euh, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que l'on ne se tient pas debout tout seul, on, euh, je crois qu'on se tient toujours debout avec les autres. Voilà moi ce qui m'intéresse dans la conjoncture actuelle. Et c'est ce qui me pousse à, à accorder la priorité aux questions que j'appelle névralgiques, à, à ce que je viens d'appeler l'urgence des questions limites dont on peut juger, du moins je l'espère, qu'elles méritent d'être réveillées, précisément pour que soit manifesté ici et maintenant ce que l'Afrique offre de force de provocation à la pensée contemporaine. Donc après ce long préambule, mais je crois qu'il valait la peine d'y insister, vu le, le, la thématique m'a été demandé de développer. Je voudrais à présent dire deux ou trois mots au sujet de ce qui, moi euh, en tout cas, m'apparaît comme l'une des questions névralgiques de la vie politique africaine en ce début du siècle. Et je vais en parler non pas à la manière d'un euh, sociologue, pas que je, euh, je ne respecte pas les sociologues, mais je ne veux pas parler de cette manière, je vais en parler comme ce qui s'impose à la pensée sur l'Afrique, comme une urgence presque absolue. Je voudrais dire que l'une des questions centrales de la vie politique dans l'Afrique d'aujourd'hui est la question de la vie. La question des rapports entre le pouvoir et la vie. La question de ce que le pouvoir a fait de la vie. C'est la critique non pas de la vie dans l'abstrait, mais de l'ensemble des actes politiques qui autorisent de dire je vis ou je suis vivant, ou j'ai survécu. Je voudrais euh, euh, développer, il euh, faudrait tout un séminaire dont ce que je vais dire, c'est quelques fragments euh, qui permettent de, de nouer une conversation. Je suis frappé par le fait que, disiez, j'ai étudié ici, je suis allé aux États-Unis, je suis rentré en Afrique, je suis allé en Afrique du Sud. Et je me suis remis à, à lire les archives de la pensée africaine. En fait, j'ai commencé à le faire lorsque je me suis retrouvé aux États-Unis et qu'il m'a fallu euh, euh, faire sens de la présence des gens d'origine africaine dans le Nouveau Monde. Ici, euh, grâce... Euh, au maître que euh, Saïd vous avait évoqué, j'avais eu la chance de euh, fouiller dans les archives de la, la bibliothèque européenne, occidentale, si vous le voulez. Et j'ai continué ce travail lorsque je suis allé à Dakar et surtout lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud. Et je me suis rendu compte d'une chose tout à fait simple. Que vous regardiez la littérature, la philosophie, la théologie, les arts en général, surtout la musique, mais aussi la peinture, la sculpture plutôt, vous vous rendez compte d'une chose. La pensée africaine aura passé l'essentiel de son temps, ses efforts, depuis au moins le 19e siècle, à réfléchir à une chose. Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que vivre vraiment Et donc on peut dire à juste titre qu'elle est une pensée de la vie, une interrogation sur le vouloir vivre. Les, quelle forme de déploiement affirmatif de la vie est-ce qu'on peut... Euh, euh, à quelle forme est-ce qu'on peut aspirer Ce que euh, euh, le philosophe camerounais Fabien Eboussi-Boulaga résume en un mot le devenir de l'affirmation. Plus récemment encore, si vous étudiez le roman africain des années 90, les années de Braise, les années du génocide, les années de la restauration autoritaire, les années des émeutes, vous vous rendez compte du fait que ce roman n'a qu'une chose dans la tête, une seule question, comment sortir de l'absolu, disons de l'alternative cruelle. Tuer ou être tué. Et donc ce n'est pas moi qui invente, euh, euh, c'est ce que je lis dans la production culturelle et la réflexion philosophique des Africains. Et donc comment sortir de cette alternative cruelle en tuer ou être tué Mais, Il y a une semaine ou dix jours ou deux semaines au Kenya. Au Darfour, à peu près partout sur le continent, y compris en Afrique du Sud, 50 000 victimes du crime chaque année, 18 000 personnes tuées dans des accidents de euh, euh, circulation. Ça vous fait déjà 68 000 personnes. Et ça, ce sont les statistiques officielles. Ajoutez-y tous les morts de, de sida. Vous avez une petite hécatombe. Vous avez une situation de guerre. Vous avez une situation où le nombre de victimes dépasse le nombre de victimes en Irak. Si vous y ajoutez, si on tient compte des, des, des chiffres, euh, publié récemment, je crois, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou un organisme de ce genre, à croire, je ne sais plus, 45 000 au Congo, je ne sais plus si c'est chaque mois ou si c'est chaque année. Vous avez quand même là une situation d'urgence. Imaginez que... Un tiers de, 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 de ce chiffre s'applique, disons, à la France. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas Et donc, ce n'est pas moi qui invente ça. Lorsque je dis euh, qu'il nous faut réfléchir de manière philosophique à la question des rapports entre le pouvoir et la vie dans un contexte d'urgence et d'instabilité euh, radicale, Instabilité radicale signifiant rien n'est donné, réversibilité absolue, ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez le perdre demain sans aucune compensation. J'étais au Zimbabwe il y a une dizaine de jours. La monnaie, sa valeur change presque chaque jour. Euh, lorsque euh, on a affaire face... À de telles situations, je crois que s'impose comme question névralgique la réflexion sur les rapports entre le pouvoir et la vie, ce que le pouvoir a fait de la vie, et que un seul langage disciplinaire ne peut pas effectivement répondre à cette question, et donc il faut ouvrir les horizons dans la perspective que j'ai évoquée tout à l'heure. Une deuxième chose que je voudrais signaler c'est que euh, la question des rapports entre le pouvoir et la vie elle n'est pas elle n'est pas nou, euh, neuve ce n'est pas du tout une question neuve c'est une question que l'on retrouve qui est au centre de la constitution du politique, à l'époque par exemple, de la traite des esclaves, de la traite atlantique. Et je crois que c'est une question euh, que, euh, au sujet de laquelle les historiens ont énormément travaillé. Joe Miller, l'ouvrage de Joe Miller, euh, l'historien euh, américain Way of Death, c'est de cela qu'il s'agit. Ou encore... Euh, et des autres historiens qui ont travaillé sur la question de l'esclavage dans, le, dans le, le golfe de Guinée. À l'époque, euh, et là je suis en train de réinterpréter à ma manière un ensemble de travaux d'historiens euh, de l'esclavage, à l'époque, la question des rapports entre le pouvoir et la vie, en même temps celle des rapports entre le pouvoir et le désir de, de richesse. Dans le sens où le pouvoir est bien sûr à l'époque une somme d'institutions, mais il est surtout un dispositif, je dirais, fantasmatique. Un dispositif fantasmatique qui repose alors sur deux pivots. Le premier, c'est le calcul des besoins. Et le deuxième est structuré autour des flux du désir. Et entre les deux se trouve la marchandise. Dans les deux cas, la marchandise est soumise à un double usage symbolique et instrumental. Mais surtout, elle revêt le caractère d'un lieu imaginaire. Et elle est un nœud absolument essentiel de toute opération du pouvoir, une sorte de miroir éclatant sur la surface duquel tout, tout vient se refléter. Et, et, et la pierre d'angle du dispositif fantasmatique du pouvoir à l'époque de la traite atlantique, c'est l'idée... Prédominante parmi les élites africaines, qu'il n'y a aucune limite à la richesse et à la propriété et donc au désir. C'est cette idée d'un imaginaire sans symbolique qui explique euh, la capacité d'enchantement de la marchandise et c'est ce qui explique, par exemple, qu'au moment des premiers contacts entre les marchands européens et les sociétés atlantiques. Le pouvoir des biens d'origine européenne à fixer et à structurer les flux de désir l'emportait largement chez les Africains sur l'idée du profit en tant que tel. Ce qui euh, euh, offre effectivement, donne du pouvoir, le pouvoir réside dans la capacité de dépenser, dans ce que Bataille appelle la dépense. Nous n'avons pas le temps d'aller, euh, disons, fouiller dans, dans la théorie de bataille sur, sur la, dé, la, la, la dépense, euh, mais je, je vous le signale euh, en passant. Je vous signale également, si vous lisez le livre de, de, de William Pitts sur le fétiche, euh, euh, en fait, c'est ce qu'il il montre. Et donc, euh, euh, si on, on devait faire l'histoire et l'anthropologie de cette espèce d'utilitarisme euh, euh, que l'on observe dans les, sur les, dans les sujets de la côte atlantique en particulier, euh, à cette époque, euh, on voit très bien que le rapport entre le pouvoir et la vie euh, euh, s'articule et articulé, disons, ce qui, ce qui fait ce lien, c'est toute euh, une métaphysique de la dépense et du sacrifice que l'on retrouve aujourd'hui dans les flambées de violence et les massacres. Luc de Huch, l'anthropologue belge, a également écrit des choses intéressantes à ce sujet dans son livre Le sacrifice dans les religions africaines ou plus récemment Le roi Congo et les monstres sacrés. Je pourrais revenir là-dessus euh, tout à l'heure, si, si vous le voulez. On pourrait faire la même, euh, disons, une analyse similaire euh, pour la période euh, coloniale. Et euh, la personne, l'auteur qui s'attaque effectivement au rapport entre pouvoir et vie euh, sous la, la, la colonisation, euh, le penseur qui s'y attaque le, le plus directement, c'est effectivement Fanon. Je voudrais juste dire un ou deux mots au sujet de ce que Fanon nous dit euh, des rapports entre pouvoir et, et vie à l'époque. Aussi bien Fanon que, que Césaire font valoir qu'en en son principe, la colonisation est portée par, par deux ombres maléfiques. Euh, le terme homme maléfique, c'est moi qui l'introduis ici. D'une part, ce que euh, Césaire désigne l'appétit ou encore les cupidités. C'est quand même intéressant qu'on se mette à, à étudier euh, le système colonial à partir de catégories, catégories telles que l'appétit ou les, les cupidités. En tout cas, c'est ce que dit Césaire, ce qu'il désigne l'appétit ou les cupidités, et de l'autre, la, la force, notamment euh, le fait de tuer, de piller et d'abrutir ces trois opérations. à ceci, césaire en particulier ajoute, je n'ai pas résist, pu résister à, à cette citation, les voluptés sadiques, les innommables jouissances qui vous frisent fris la carcasse de loti quand il tient au bout de sa lorgnette d'officier un bon massacre d'anamites. c'est la, 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 la description de, de, de césaire. César et Fanon expliquent également que ce geste archaïque, ces trois opérations, tuer, piller et abrutir, constituaient la part maudite de la colonie et avait sa source dans la raison sacrificielle, celle qui, en s'obstinant à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête. Et finalement, je suis en train de citer euh, Césaire toujours, transforme le colon lui-même en bête. C'est-à-dire ce processus d'ensauvagement réciproque, dont parle d'ailleurs aussi Deleuze dans, dans son étude sur Bacon, dont le titre m'échappe euh, maintenant. Mais le devenir animal du pouvoir. Un pouvoir à tête d'homme, mais dont l'esprit euh, est un esprit chien, esprit porc, esprit euh, euh, ce que vous voulez. Cette thématique de la bête que reprend également euh, Derrida dans, dans ses, ses derniers écrits, se référant cette fois-ci à, à ce que d'autres ont appelé l'empire. Et donc cet aspect carnassier du pouvoir qui n'est pas un principe africain, puisque je viens de vous citer Bacon, Deleuze, Derrida, mais, mais qui, est, qui, qui, qui est un peu constitué du pouvoir à la manière dont Charles Tilly nous dit que le crime est constitutif de l'État. C'est ce que Césaire et Fanon nous disent ici à propos de cette formation spécifique du pouvoir qui est, qui est le pouvoir colonial. Ce en quoi d'ailleurs, quelqu'un comme Tocqueville, euh, un grand démocrate libéral, euh, il dit exactement la même chose dans son, son ouvrage de la colonie en Algérie. Et donc, euh, euh, alors, pour résumer tout cela, ce serait difficile à euh, aller dans les détails. Il y a quand même un paradoxe finalement dans... Euh, euh, ces rapports entre le pouvoir colonial et la vie, c'est que euh, euh, le, le paradoxe euh, réside dans la relation entre soigner et blesser. Euh, le pouvoir colonial, nous dit Fanon, constamment blesse, mais en même temps il essaie de soigner. Je crois que Jean-François euh, a de ce point de vue dans son livre euh, un, une citation extrêmement intéressante. Le corps qui tantôt est enfermé, dénudé, enchaîné, contraint au labeur, euh, frappé, déporté, mis à mort, est le même qui ailleurs est soigné, éduqué, habillé, alimenté, rémunéré. Donc vous avez ce paradoxe euh, euh, qui est constitutif effectivement de, euh, des rapports entre le pouvoir colonial et, et la question de la vie. Ce sont des vignettes que je vous donne là parce qu'il faudrait, faudrait aller vite. Il me faut donc ramener tout cela au présent et dire rapidement que, à mon avis, trois événements majeurs ont au cours, notamment du dernier quart du XXe siècle, profondément affecté les conditions matériel de production de la vie en Afrique. À mon avis, ces événements sont les suivants. D'un côté, le durcissement de la contrainte monétaire et ses effets de revivification des imaginaires du lointain et de la longue distance. Imaginaires du lointain et de la longue distance sur les migrations. Mais c'est beaucoup plus que ce que l'on appelle les migrations. Deuxième facteur, la concomitance de ce que l'on a appelé la démocratisation est et l'informalisation de l'économie et des structures étatiques. et finalement la dispersion du pouvoir d'État et la diffraction de la société. Je crois que ces trois événements se sont parfois relayés, parfois aussi leurs effets se sont annulés réciproquement, ou au contraire ils ont servi de guillons les uns aux autres, jusqu'au point de provoquer un enroulement de l'expérience individuelle et sociale. Et dans leur simultanéité, ces événements constituent, me paraît-il, le cadre d'émergence de conception du pouvoir et du politique qui accorde aujourd'hui une place prépondérante aux luttes pour ou contre le pouvoir comme des affrontements belliqueux qui ont pour finalité la triple prise sur les, 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 les ressources, les corps et en définitive sur la vie. J'aurais pu euh, aller euh, au fond des choses et, et, et euh, disons développer chacun de ces aspects, mais euh, on n'a pas le temps de le faire. Je vais terminer maintenant. Mon séjour en Afrique du Sud m'a obligé non seulement à continuer cette réflexion sur les rapports de pouvoir et vie. Euh, question de l'urgence, mais aussi à prendre au sérieux une certaine expérience de, faute d'un autre terme, ce que j'appellerais la promesse, mais aussi la fragilité de, de, de celle-ci. L'Afrique du Sud m'oblige à, à, à m'interroger sur quand est-ce que le nouveau va enfin venir. C'est une, une vieille question qui taraude la pensée africaine depuis très longtemps, qui a pris chaque fois des formes différentes, mais beaucoup plus dramatiques en Afrique du Sud à cause de tous les enjeux politiques, économiques, symboliques liés à, à ce pays. Des questions telles que est-ce que le nouveau serait-il déjà à l'œuvre si oui, comment le déchiffrer Ou encore sommes-nous pris au mirage de ce qui n'est qu'une forme ancienne du nouveau, un nouveau encore trop ancien, parce qu'il est captif des forces de destruction Et donc, euh, je termine là. Eh, Saïd, vous me demandiez, quid de, de, de l'avenir Comment pourrais-je répondre à une telle question Il me faudrait vraiment un, un, un devin euh, et aller faire quelques études avec les, les IFA euh, chez les Yoruba pour y répondre. Mais, mais c'est une question qui, qui parcourt l'interrogation centrale que j'ai essayé de... Euh, 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 partager avec vous ce soir qui est, euh, euh, porte sur le rapport entre pouvoir et la vie. Euh, je m'arrête là. Merci Richard. C'est naturellement à moi de remercier la, la girafe, animal sympathique qui a pu organiser cette, cette réunion ce soir et qui a effectivement réussi le tour de force à capturer l'indigène et à nous l'amener au prix de sortilège. dont vous voudrez bien nous donner le secret parce que ça, ça s'avère tout à fait utile. Et... Je, bon, je, je suis naturellement très embarrassé euh, par deux choses. Tout d'abord par les paroles beaucoup trop généreuses euh, de, de vous tous et, et notamment de, de Xavier. Euh, en, en réalité, j'ai bien entendu autant appris euh, de Dachille, euh, ce qu'il a eu la gentillesse de dire, appris de, 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 de ma part. Euh, tu, tu raillais euh, tout à l'heure l'expression se, se tenir debout euh, par soi-même. Euh, il en est euh, de, de l'écriture comme de, de, de la station euh, debout, en fait. On écrit toujours, on n'écrit jamais par soi-même, on écrit euh, toujours euh, avec euh, les autres. Et euh, Achille, euh, et, et aussi euh, Richard, et, et beaucoup d'autres euh, dans la salle, eh c'est grâce à vous euh, que, que j'ai pu euh, écrire, euh, par exemple, L'État en Afrique, ou L'illusion identitaire, ou euh, Le gouvernement du monde. Donc, euh, je, je crois qu'il faut remettre les choses à, à leur juste place. Euh, et puis, je suis également. Euh, Embarrassé par, euh, par l'amitié et par le compagnonnage qui, euh, qui nous unit euh, depuis effectivement euh, pas mal d'années. Euh, dont je dois dire d'ailleurs qu'il a une part de contingence parce que si on s'était rencontré quelques années plus tard, euh, il est vraisemblable que nous ne serions pas euh, à cette table ensemble parce que tu n'aurais jamais pu déchiffrer les quatre pages que je t'ai envoyées de commentaires de ton, de ton mémoire. Mais enfin, voilà. Donc, je crois qu'il n'est pas facile de, de jouer le rôle de, de discutant lorsqu'il y a une trop, gros, une, une trop grande intimité ou un trop grand partage d'itinéraire, comme cela est le cas entre nous deux. Euh, et, et finalement, complicité qui ne s'est jamais démentie, euh, malgré l'éloignement, malgré les carrières différentes, etc. Euh, J'ai été euh, te, tout à fait euh, amusé, évidemment, assez emballé de, euh, de, de la manière dont nous avons euh, spontanément, sans euh, nous concerter, euh, réagi avec des mots tout à fait similaires euh, au discours assez catastrophique de notre président de la République. Enfin, le mien, euh, je te délivre de cette tâche, de ce devoir, euh, le, de ce fardeau euh, de l'homme blanc. Euh, le, et, et, et je crois qu'il est assez, assez troublant de voir, enfin, quand, quand on a échangé comme ça notre copie sans véritablement nous être concertés, il est assez troublant et assez impressionnant de voir comment nous avions exactement le même urticaire à l'encontre des, des paroles qui ont été prononcées à Dakar. Euh, je, je voudrais quand même essayer de cet exercice de distanciation qui, qui, qui n'est pas commode euh, aussi brièvement que possible parce qu'encore une fois, je crois que l'essentiel c'est le, le débat qui, qui va se nouer entre la salle et toi. Et euh, je voudrais, sans, sans flagornerie et sans, sans griotisme... Euh, euh, Dire d'abord trois choses à propos de, de ton itinéraire intellectuel qui, qui me marque et qui, je pense, que contribue à expliquer l'audience de, de ce soir. Je crois quand même, il faut cesser, enfin je te prie d'excuser de, de, le caractère extrêmement direct de, de, de mon propos, dont j'espère qu'il ne sera pas trop gênant. Mais je crois quand même que ce qui fait la force et l'exemplarité de, de ton itinéraire, c'est une chose qui est assez peu partagée, non pas simplement en Afrique, mais dans le monde intellectuel en général. Euh, C'est-à-dire le courage. Et, et le courage, quand même, quand on était intellectuel en Afrique, c'est pas exactement le même courage euh, que euh, l'intellectuel euh, occidental, par exemple, enfin, un intellectuel qui, qui vit euh, en Occident. Ça a d'abord été un courage physique. Euh, écrire sur l'UPC euh, à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, euh, c'est quand même pas euh, si commode euh, que cela. Bon, et puis ensuite, naturellement, euh, courage intellectuel, courage scientifique, euh, disons, euh, par la suite des, des choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose de, de, de fondamental qu'il faut, qu faut dire très, très clairement. De, de deuxième chose qui me frappe dans, dans ton itinéraire, c'est ton refus viscéral de l'indigénisme, disons, intellectuel et politique, cette espèce de revendication d'inauthenticité. Euh, évidemment assez ironique euh, cette volonté de, de déafricaniser euh, les sciences sociales, pour projet euh, intellectuel que, que tu as incarné euh, au Codesria euh, là aussi de façon assez courageuse et non, euh, non sans tumulte euh, et le dialogue que tu as non seulement noué avec toute une série de, 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 de collègues euh, par exemple d'Europe d'Amérique du Nord mais également avec des, des collègues indiens puisque avec euh, Mamadou Diouf, euh, un autre de tes vieux complices, euh, tu as a été un des intellectuels africains, un des chercheurs africains qui a le mieux connu et le mieux exploré ces terres subalternistes de nos collègues indiens. Et puis je crois qu'il y a une troisième particularité de, de ton itinéraire, c'est ton écriture. Euh, et alors, je ne sais pas s'il faut dire ton œuvre, c'est un peu emphatique, mais enfin disons, tes écrits, euh, tes, tes travaux euh, sont quand même marqués par une écriture qui est puissante, euh, qui est très personnelle, euh, qui peut être parfois euh, énigmatique, Saïd Avas en faisait allusion euh, tout à l'heure. Donc on retrouve par exemple effectivement euh, ce champ euh, lexical funeste. Euh, euh, mais je crois que c'est quand même une force. Euh, et, et euh, par exemple, euh, le titre de l'un de tes premiers ouvrages, Afrique indocile, euh, qui là aussi naturellement est très, euh, très, euh, très ironique, euh, très autobiographique aussi, il faut bien le dire, euh, le, est un exemple parmi d'autres, disons, de, de ta puissance euh, d'écriture alors, cela étant, euh, je voudrais peut-être euh, dégager euh, quelques thèmes euh, qui parcourent euh, tes travaux euh, et euh, qui m'ont aidé à, à réfléchir euh, et à poser un certain nombre de, de, de questions ou à me poser un certain nombre de questions euh, dans l'analyse non seulement des sociétés politiques africaines, mais de manière plus générale, de manière plus comparative à propos euh, d'autres euh, sociétés. Euh, Bon, tout d'abord, euh, il y a naturellement bon, ton ethnie euh, d'origine, certes ce sont les Bassa, comme le, le rappelle euh, Saïd, Abbas, euh, mais euh, tu as une autre euh, euh, tribu, euh, tu es historien. Euh, D'origine. Euh, et euh, par définition, euh, tu as beaucoup réfléchi euh, sur l'historicité euh, des sociétés africaines, euh, notamment sur l'historicité propre euh, du mouvement nationaliste euh, camerounais, et euh, tu as euh, de, donné à, à, à cette revendication euh, de l'indépendance euh, euh, au Cameroun euh, une, euh, un, un contenu, euh, tu, tu, tu as tu as analysé ce mouvement nationaliste camerounais avec les méthodes non seulement de l'histoire, mais également d'une certaine manière de l'anthropologie qui ont permis de complètement réécrire, repenser la signification même de l'indépendance de la revendication de l'indépendance euh, au Cameroun. Et, et je crois que cette leçon de méthode que tu as donnée dans quelques-uns de, de tes premiers euh, travaux, euh, notamment sur la dimension onirique euh, de Doumniobé, euh, leader historique du nationalisme camerounais euh, et, et de ses maquis euh, en, en Pays-Bassa, euh, je crois que ces travaux ont une portée qui dépasse considérablement euh, l'analyse euh, du seul cas euh, camerounais. Et naturellement, euh, ces travaux euh, m'ont beaucoup inspiré, m'ont beaucoup aidé euh, à, à essayer d'approcher de, de, ou de problématiser euh, ce problème, cette question de l'historicité propre des sociétés africaines. De deuxième thème sur lequel tu, tu m'as beaucoup apporté, c'est la problématisation de l'extraversion, de l'extraversion de des sociétés africaines, non, non pas comme expérience historique d'aliénation ou comme expérience d'extraversion extra, économique au sens où une certaine penser pouvait en parler. Bon, C'est un débat que j'ai eu le, euh, avant l'été avec euh, Catherine euh, Kokri-Vidrovitch, euh, qui n'aime pas tellement ce terme d'extraversion, parce que pour elle, ça lui fait trop penser euh, à un certain type d'analyse sur les économies africaines. Mais je crois que tu as su donner euh, à cette trajectoire de l'extraversion, enfin si on garde ce, ce, ce vocabulaire, euh, tu, tu as su nous faire comprendre euh, qu'il s'agissait en réalité euh, d'une expérience historique intime, et, et que l'intimité même euh, des sociétés politiques africaines étaient dominées par euh, ce rapport d'extraversion euh, au reste du monde. Alors on n'est pas là pour, pour discuter de, de, de cette thèse, mais euh, ton, tes, tes travaux successifs euh, nous aident à comprendre cette dimension des sociétés d africaines, mais par-delà, bien entendu, euh, d'autres configurations de l'historique. On pourrait penser à cette phrase que, que j'aime bien euh, citer de, de, de Paul Venn, euh, lorsqu'il nous dit que, que Rome euh, se pensait à travers euh, l'expérience euh, d'un autre peuple, d'une autre culture, d'une autre civilisation, euh, l'expérience euh, grecque. Euh, ton itinéraire lui-même, d'ailleurs, est un très bel exemple euh, d'extraversion, et c'est peut-être une des questions qu'on pourrait te poser euh, tout à l'heure. Euh, troisièmement, euh, tes travaux nous aident à, à penser euh, cette tension euh, qu'il y a euh, entre la coercition et l'hégémonie, l'hégémonie au sens gramme chien euh, du terme. Euh, et ce que tu nous as dit euh, tout à l'heure, l'a confirmé euh, à nouveau, euh, tes travaux sont dominés, euh, tes travaux à la fois, dis disons, d'inspiration plus philosophique, comme ceux de, euh, du, du recueil sur, sur la post mais également tes travaux euh, d'historien, euh, sont dominés par, euh, par la violence. Enfin, par, par, par l'analyse ou l'évocation de, 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 de la violence, de la coercition dans ce cas-là de, de, de plus physique. Euh, exécution, euh, bastonnade, euh, et d'un autre côté, euh, tu ne cesses, en tout cas c'est ma manière de, de te lire, peut-être parce qu'elle m'est commode, euh, tu ne cesses, euh, à ta façon, de nous parler de l'hégémonie, et tu nous fais comprendre que euh, dans cette relation entre hégémonie et coercition, euh, il n'y a pas simplement un jeu à, à nulle, euh, comme on pourrait le, euh, le, le faire dire de manière évidemment beaucoup trop rapide à, à Gramsci, mais il y a bel et bien euh, un, un rapport organique euh, entre euh, l'exercice de la coercition, la, la, la plus physique parfois, et euh, celui euh, de l'hégémonie. Et puis, euh, derrière, de, dernière euh, notation, euh, je crois que tes travaux euh, nous aident à, à saisir, à appréhender non pas simplement le caractère baroque euh, des constructions politiques africaines, euh, mais euh, leur trivialité. Euh, le grotesque de l'exercice euh, du, du pouvoir, euh, ce que tu nommes dans, dans la post-colonie, dans, dans, dans le chapitre 3, euh, l'esthétique de la vulgarité euh, du pouvoir. Euh, et là aussi, bien entendu, euh, l'on voit, pour reprendre tes termes, comment euh, la, considération, la prise en considération euh, de, de l'Afrique euh, nous amène à réfléchir euh, sur des objets nouveaux. Parce qu'il se trouve que cette vulgarité du pouvoir, cette esthétique de la vulgarité, nous la vivons en Occident eux-mêmes depuis quelques années de manière croissante, avec l'administration Bush, le pouvoir de Berlusconi, celui de Poutine et bien entendu celui de Nicolas Sarkozy. Tout ceci euh, m'amène à, à, à te poser peut-être une double euh, question. Euh, comment finalement euh, concilies-tu euh, ta sensibilité, euh, disons, euh, intellectuelle euh, postcoloniale, coloniale donc ce, ce thème de, 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 de la post-colonie, euh, avec euh, l'impératif de l'analyse euh, de l'historicité euh, de l'Afrique c'est-à-dire comment concilies-tu le Achille d'aujourd'hui, écrivant sur la post-colonie, et le Achille d'hier, réfléchissant sur l'historicité, par exemple du mouvement nationaliste camerounais, avec cette attention, érudite et aussi empathique, par exemple portée au terroir, en l'occurrence le terroir historique, disons pour aller vite du du pays Bassa. Euh, en en d'autres termes, euh, comment euh, concilies tu euh, le caractère générique euh, du concept de, de situation coloniale euh, et, et de son legs post-colonial au sens de, de, de post-colonie d'une part et euh, d'autre part euh, l'hétérogénéité euh, euh, historique des moments de la situation coloniale. Tu es trop, bien histori tout trop bon historien pour, pour ignorer que, que la situation coloniale s'est déclinée en plusieurs moments, pour reprendre le, le, le terme qu'affectionne Romain Bertrand, et que la, la, la colonisation allemande, les différents temps de la colonisation allemande, les différents temps de la colonisation française ne sont pas homogènes, ne sont même sans doute pas cohérents. Comment concilies-tu ce concept de situation coloniale et de, de post-colonie avec la prise en considération de l'hétérogénéité. Euh, moi, j'en aurais peut-être quelques, quelques-unes supplémentaires et puis ensuite la, la salle, si tu veux. Disons que euh, Jean-François, tu, tu mets le doigt sur. Euh, euh, Tension et effectivement qui existe en les, ces travaux en, euh, antérieurs et euh, le type de, de, de réflexion euh, euh, que je, je m'efforce de conduire euh, au moins depuis euh, le, le début des années 80, au milieu des années 90. Um, Je... disons que ce qui le fait de de retourner euh, vivre, vivre en afrique pendant une bonne partie de l'année euh... et de observer euh, euh, au jour le jour euh, ce, que je, ce que je vois. Euh, je vis à Johannesburg, je voyage euh, euh, dans d'autres pays. Tout cela m'a obligé euh, euh, à, à prendre peut-être euh, plus au sérieux qu'avant, la, la question que j'appelais tout à l'heure, la question de, de, de l'urgence. Hum, et hum, cette réalité de l'urgence, m'a poussé, je crois, à... chercher à me pousser d'une part à me rendre compte de, de la faiblesse relative de la, la prise de nos, nos travaux, de nos réflexions sur ce qui se passe effectivement. Et, et d'autre part, euh, euh, la faiblesse de certains discours académiques à, à aller euh, au, fond, au fond des choses, à la racine, euh, à la racine des choses, euh, en élicitant ce qui, ce qui est en jeu, quelles sont les, les, les choses ultimes qui sont en jeu dans des processus politiques ou historiques empiriques. Euh, et dont on peut accumuler les détails, mais, mais dont on ne sait pas trop pourquoi euh, on veut accumuler ces, ces, ces détails. Euh, et donc, euh, question de la magnitude de, de ce que l'on observe. Euh, il m'a semblé que d'un point de vue politique, il était difficile de répondre à cette magnitude, à cette urgence, euh, par l'accumulation des descriptions, des variations euh, 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 qui ne nous permettent de des de, de connaissances fines, mais qui nous acculent finalement à aucune, à aucune prise de position. Et donc j'ai l'impression que le... Alors une prise de position qui n'est pas nécessairement aller dans un parti, militaire, dans un syndicat, mais, mais enfin euh, euh, dire quelque chose qui oblige euh, les gens à, à se poser des questions. Dans un champ public euh, comme en Afrique du Sud où, où on est quand même... On est quand même il, y a, il y a un débat public. Lorsque vous parlez, les gens écoutent, vous écrivez dans les, les journaux, les gens écoutent. Cela m'a poussé d'ailleurs aussi à, à intervenir de plus en plus dans des registres purement non académiques. Euh, euh, dans l'objectif de, de, disons, de développer une critique interne euh, à nos sociétés euh, et à nos pratiques, qui, qui, qui est un écho, disons, euh, sur place. Mais voilà une réponse bien incohérente à une question <laughs> très cohérente et très précise. Merci Achille. Je, je résiste pas au, disons, au pouvoir qui m'est donné de tenir le micro de président pour moi aussi te, te poser deux trois, deux trois questions avant d'ouvrir flow comme on dit euh, deux trois petites choses peut-être machine euh, à la fois dans ton parcours et puis dans ce que tu as ce que tu as dit ce soir euh, autour de donc de ton, tes interrogations plus plus récentes en fait sur la, la question de la vie du pouvoir euh, sur la vie et euh, sur, sur la mort euh, notamment dans ces contextes d'incertitude absolue que tu évoquais tout à l'heure il y a un terme que, que tu as évoqué rapidement et qui a peut-être été mal compris en France et en Europe c'est celui de nécropolitique donc euh, j'aurais aimé que Peut-être que tu l'explicites un peu plus euh, ce soir. Euh, la deuxième question qui n'est pas complètement euh, euh, éloignée, euh, c'est la question de savoir comment penser euh, les catégories de la citoyenneté, de la souveraineté dans les euh, contextes, le triple contexte que tu évoquais toi-même en, en conclusion. Euh, D'une part, euh, effectivement, nos contraintes monétaires euh, de plus en plus fortes, de, de désirs d'ailleurs que tu évoquais, et non pas simplement sous le terme de la migration, d'informalisation, de, de démocratisation ratée, et puis, de dispersion euh, du pouvoir d'état ou, ou de la société euh, euh, ou de fragmentation de ce que toi-même tu avais appelé le compromis postcolonial les étudiants du master euh, l'entendent régulièrement euh, voilà comment penser ces, ces, ces catégories de citoyenneté et de souveraineté dans, dans ces contextes là euh, et dans ce contexte aussi d'incertitude absolue que tu évoquais euh, tout à l'heure. Troisième, troisième question, euh, aussi en référence à des travaux euh, passés, euh, et notamment à, à ton fameux papier sur les écritures africaines de soi, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment au, au, aux États-Unis. Euh, tu l'as écrit à, à un moment euh, particulier, si mes souvenirs sont bons, c'était la fin des années 90. Euh, comment aujourd'hui euh, tu, disons, euh, tu réfléchirais à ces, à ces questions euh, des écritures africaines de soi, notamment euh, au regard des nouveaux mouvements ethno-nationalistes ou d'un regain d'anticolonialisme qui se fait jour euh, de ci, de là euh, et puis la dernière, mais elle a déjà été évoquée par, par Jean-François, c'est une, une question plus épistémologique ou, ou méthodologique euh, que tu avances évidemment toi-même dans ton, dans ton discours, à savoir bon, bah, comment penser l'Afrique la, autrement. Tu nous dis euh, bon, voilà, il faut absolument sortir des carcans euh, académiques. Je crois qu'on est à peu près tous convaincus de, de la chose autour de cette table. Euh, la question c'est comment hein Et on rejoint ici la, la question du, de l'écriture, du mode d'écriture euh, à privilégier pour, pour ce faire. Euh, tu as fait le choix toi-même, hein, tu l'as explicité aussi dans certains papiers, euh, de notre mode d'écriture que le simple mode euh, des sciences sociales ou de la démonstration de sciences sociales. Donc j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus justement aussi sur, cette, sur cet aspect-là, de, plus de la méthodologie qui rejoint aussi les questions épistémologiques que tu levais tout à l'heure. Je commencerai par la fin, la question méthodologique. Je crois qu'on peut en sortir en, en, posant, en, en apprenant à poser d'autres types de questions, euh, à la fois au, sur les choses anciennes et, et, et sur les choses nouvelles. De ce point de vue, euh, quelqu'un comme Foucault, j'ai beaucoup appris de quelqu'un comme, comme, comme Foucault, de sa manière d'interroger. Il, il y a une manière d'interroger qui, qui permet euh, d'interrompre de, de, le, le refrain euh, euh, ordinaire euh, qui, qui pousse à, à, à s'arrêter. Euh, les, les Anglais ont un terme to jam, euh, à brouiller. Vous posez la question d'une autre manière, et ça brouille tout. On ne peut plus continuer comme avant. Il nous faut arriver à trouver cette manière de, de formuler les questions qui, qui pousse à, à s'arrêter un, un, un petit moment. Parce que les réponses ordinaires, euh, on ne peut plus les, les, les formuler. Euh, Dans donc, donc, donc une manière d'interroger, et... Euh, une manière d'interroger qui, qui, soit, qui soit à mon avis, euh, euh, à la fois ce que jean-françois disait, historiquement euh, euh, fondé, mais aussi philosophiquement euh, solide. je crois que pour l'afrique, pour travailler sur l'afrique, eu égard à, à la réalité dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, il faut réactiver l'interrogation philosophique. Parce qu'une certaine forme d'interrogation philosophique nous oblige à aller, aller à la racine des choses. On ne s'en sortira pas sans une réactivation de l'interrogation philosophique. Sur un autre plan, il faut recréer le langage. Il faut inventer un langage tel que lorsque il est prononcé, nous nous retrouvions dans une situation de défamiliarisation. Eu égard à, aux difficultés que j'ai évoquées au début de, 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 de la présentation, le grand dilemme aujourd'hui lorsqu'il s'agit de l'Afrique, c'est que nous sommes enfermé dans la prison d'un certain langage, à commencer par le nom. Et donc, il faut briser le langage. Et la manière de... Il y a, il y a mille manières de briser le langage. Jean-François parlait de ce qui la, la puissance de l'écriture. Moi, quand j'écrivais de la post-colonie, j'écrivais la nuit. La plupart des textes qui sont là ont été écrits pendant la nuit. J'ai écrit la plupart de ces textes en écoutant de la musique congolaise. Parce que lorsque vous écoutez la musique congolaise, lorsque vous, vous, vous faites attention à la musique congolaise, la musique congolaise, elle vous... Le son de la guitare congolaise. Hein oui. Le, le... Comment ils appellent ça Comment ça à être Fatigué, j'ai voyagé toute la nuit. Euh, le rythme de la guitare, le, la manière de danser. Je suis allé au Congo un certain nombre de fois, observer euh, à Kinshasa et à Lumbashi. Comment ça se passe dans les, dans les bars et tout le reste La musique est ce lieu effectivement où les forces telluriques sur, qui, qui soutiennent disons une existence disjointe. Il n'y a pas d'existence plus disjointe qu'au Congo. Philippe de Bouc et tous les autres, où le corps devient comme le motif principal de l'architecture de, de soi et du monde, parce que la plupart de tout, tout le reste s'est tombé par terre. Et donc, lorsque l'on écrit au, au, au rythme de la musique congolaise, on est forcément obligé... parler d'une autre manière. Et donc, il me semble que euh, cette révolution du langage, que l'on voit d'ailleurs, euh, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Foucault s'intéressait tellement à des gens comme euh, Raymond Roussel et d'autres, ou bien quelqu'un comme Deleuze s'interrogeait à Bacon. Euh, lorsque vous regardez la peinture de Bacon, c'est un peu ça. Donc, donc, alors, alors, la science politique traditionnelle va vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc, si vous voulez faire carrière dans euh, la discipline, c'est peut-être pas ce qui va vous faire faire carrière. Et donc, euh, c'est cette espèce de dissidence, y compris linguistique, qui, à mon avis, va faire en sorte que l'Afrique commence à dire quelque chose au-delà d'elle-même. Et que les gens qui travaillent en Russie, en, en Inde, euh, au Pakistan, commencent, lorsqu'ils nous lisent, à dire, mais attention, il y a là quelque chose qui me dit quelque chose au sujet de, euh, du Pakistan. C'est ce retournement qu'il faut, il faut opérer. Et ça suppose, comme je le disais au départ, de partir effectivement du monde, mais euh, de ses doubles. Et donc, c'est un peu ça, ça demande beaucoup d'expérimentation, de prise de risque, euh, un sens du jeu aussi. Et ça, alors tout ça, euh, je parle de la musique congolaise, mais j'aurais pu évoquer euh, l'écriture de Tutuola, euh, l'écrivain nigérian, ou euh, l'ami de Jean-François, Sonil Boutansi. Lorsque vous lisez Sonil Abou mais enfin, vous êtes, vous êtes ailleurs vous vous arrêtez, ou, 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 ou Senghor, la poétique de Senghor également. Et donc c'est des choses qui sont là, c'est des, des archives qui existent, et il faut les réinterpréter et pouvoir les, les, les orchestrer, mais dans, dans un mouvement qui, qui, qui puisse faire en sorte que lorsqu'on on dit l'Afrique, on, on, les gens s'arrêtent pour écouter. Donc c'est un peu ça, euh, cette espèce de libération euh, et d'expérimentation, à mon avis, qu'il faut. Les écritures euh, africaines de soi, c'est un texte écrit au sortir de, du, du Code des c'est un texte polémique, euh, c'est un texte polémique, mais qui repose quand même sur une, 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 une intuition. Euh, J'en avais marre avec j'ai travaillé trois ans et demi au Codezria, le discours dominant chez les intellectuels africains qui vivent en Afrique, et certains vivent, vivent ailleurs, euh, c'est un discours euh, qui repose sur euh, l'idée selon laquelle euh, notre malheur vient, vient de l'extérieur. C'est un discours qui reproduit les, les catégories de la sorcellerie, mais dans le champ euh, politique et intellectuel. Parce que la sorcellerie, c'est ça, c'est toujours l'autre. Et souvent le parent, le parent intime. Et Dieu sait que euh, dans une certaine littérature africaine, enfin, le blanc... Euh, ce n'est pas seulement l'autre. le blanc, c'est le parent. le blanc a été transformé en parent précisément pour lui demander des, des euh, lui imposer des dettes. parce qu'à un parent, vous pouvez, pouvez demander des obligations. et d'ailleurs, c'est un mécanisme, jean-françois parle de mon travail euh, sur l'upc, que l'on retrouve sous la colonisation. l'invention d'une filiation euh, euh, et, et, et comment Oui, mythique, avec celui qui vous domine. Parce que du moment où vous le faites rentrer dans la sphère de la, de la parenté, il ne peut plus faire n'importe quoi. Il a des obligations à votre égard. Et donc, euh, moi j'en avais marre avec ce type de discours. Euh, qui permet de justifier tout et n'importe quoi, et de ne pas prendre ses, ses propres responsabilités, euh, de les déléguer tout le temps à, à d'autres. Donc c'était ça, si vous voulez un texte polémique, qui puisse susciter beaucoup de, de colère, effectivement. Le, euh, le texte nécropolitique. Ça c'est un on, là il y a une discussion avec le, disons, avec, avec Foucault, euh, notion foucauldienne de, de biopolitique. Vous savez comment Foucault décrit euh, euh, biopouvoir euh, comme euh, phase euh, euh, qui succède à au pouvoir type disciplinaire et ainsi de suite, mais dont la particularité, cette fois-ci, n'est plus de discipliner les corps afin d'en extraire le maximum de productivité, mais de créer les conditions qui fassent en sorte que la vie des gens que l'on gouverne se multiplie. C'est par exemple... Tout ce que l'on fait pour qu'ils euh, ne soient pas exposés aux épidémies, et dont vous, euh, euh, où vous mettez en place une politique urbaine qui, qui limite l'extension des, des maladies et tout le reste, tout ce qui permet d'accroître les, les forces de vie, et dont vous les gouvernez de cette manière-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où vous les tuez. Et Foucault dit à la fin de, de ce texte, il faut défendre la société, que dans le régime du biopouvoir, pouvoir la seule manière de mettre à mort, disons, la mise à mort, le fait de faire couler le sang, ne se justifie que à partir de ce qu'il appelle la race. Mais la notion de race chez Foucault, ce n'est pas, pas vraiment ce, euh, la notion traditionnelle de race. C'est quelque chose de, 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 de beaucoup euh, plus compliqué que cela. Et donc, euh, on prend Foucault, on le lit, et on se dit, mais à quoi ça correspond dans le champ où, où, où je travaille Et on se rend compte que ce n'est pas, pas vraiment ça. Euh, Sauf peut-être en Afrique du Sud, où effectivement, vous avez euh, historiquement un, un, un système dual, où le pouvoir biopolitique s'applique aux blancs et le reste, le reste, euh, les noirs en particulier, euh, vous mettez en place systématiquement euh, toutes les conditions qui font que euh, euh, leur vie soit dissipée. Vous ne les tuez pas directement, sauf lors, effectivement, des meutes euh, et tout le reste, parce qu'au fond, vous avez besoin euh, de leur euh, force de travail. Mais vous vous en occupez de façon telle que qu'ils soient toujours dans un état de besoin. Parce que s'ils arrivent à satisfaire euh, cet état de besoin, ils ne seront plus captif euh, du type du marché euh, euh, mis en place. Mais, mais lorsque vous sortez de l'Afrique du Sud et regardez euh, un tas de, de configurations actuelles, euh, il me semble que euh, la mise à mort s'effectue euh, encore euh, d'une façon qui, qui n'est pas du tout euh, euh, conforme à la biopolitique de, de Foucault. Et c'est pour cela que je l'ai appelé nécropolitique, parce que euh, Enfin, je ne veux pas donner des, des, des exemples controversés, mais vous, vous savez tous plus ou moins ce qui se passe dans notre monde actuel. Quels sont ces lieux, effectivement, où tout est mis en, en, en place pour euh, euh, assurer, euh, je ne veux pas dire les massacres, mais au quotidien, de, toutes ces petites morts euh, qui finissent par, par constituer euh, de grandes morts. Donc c'est un peu euh, euh, dans ce sens-là que j'ai travaillé sur citoyenneté et souveraineté c'est une question euh, très très vaste je vais vous donner un exemple en afrique du sud bon on a, on, a, on a des citoyens et, et, et dans un sens euh, qualitatif euh, la citoyenneté en afrique du sud euh, euh, il vaut mieux être citoyen en Afrique du Sud qu'au Nigeria par exemple parce qu'au Nigeria euh, si vous restez à attendre quelque chose de l'État vous attendrez très longtemps euh, qu'il s'agisse de droit ou euh, mais, mais, mais en Afrique du Sud alors vous êtes citoyen mais euh, vous êtes citoyen dans le sens où euh, les, disons, l'État vous dit, il y a, il y a un, un, un échange, en fait. Il n'y a pas de citoyenneté sans une forme d'échange entre l'État et, et les individus. Alors, l'échange en Afrique du Sud, c'est quoi L'État vous dit, notamment pour les, 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 les pauvres, vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas d'accès à l'eau potable, vous n'avez pas d'accès euh, aux services de santé, je vais vous donner tout ça. Je vais vous construire une maison. Je vais euh, euh, vous euh, octroyer ce qu'ils appellent euh, euh, basic services, les, les services de base. En retour, euh, voilà notre contrat. Le contrat, moi je vous donne ça et, et vous, vous l'ANC, vous votez pour moi. Alors, ce que l'on a vu au cours des dernières années, c'est effectivement que on a ici une forme de citoyenneté dont la fonction est de dépolitiser euh, les gens, dépolitiser les gens euh, 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 sous prétexte, sous le prétexte de bâtir, euh, disons le dernier État providence euh, euh, de la planète. L'État providence est en train de démanteler à peu près partout, sauf en Afrique du Sud, où effectivement. On consacre à peu près 90 milliards de, de rand chaque année à, à des, à des euh, social grants. Euh, des, des, euh, je suis désolé, mon, mon, on est très fatigué, les mots viennent plus vite dans une langue que dans l'autre. Hein? Hein? Oui, les, les, les fondamentaux sociaux. Euh, alors... Euh, euh, la citoyenneté s'exprime dans, euh, dans, euh, dans, dans ce, dans ce sens-là. Mais, mais, mais on voit très bien que euh, la fonction de ces fondamentaux sociaux est de, de dépolitiser la société. Euh, et, et donc euh, euh, de favoriser le, euh, 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 le, la protection d'une nouvelle classe, d'une nouvelle élite euh, qui du coup... Euh, n'a pas beaucoup de comptes à rendre à qui que ce soit, en dépit du fait que la presse est libre, les, les, les groupes d'intérêt existent, et, et, et ainsi de suite. Ailleurs, sur le reste du continent, il y a effectivement euh, tous ces travaux euh, que toi-même, tu, tu dans lesquels tu as été impliqué, des gens comme Peter Gesschir, euh, qui, qui montrent comment est-ce que de nouveau la question de l'appartenance, qui appartient, à qui appartient quoi d'un côté et qui appartient à quoi sont devenues les deux, les deux autres questions euh, euh, de l'heure. On le voit au Zimbabwe. Au Zimbabwe, euh, à la faveur de, 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 de ce que le gouvernement de Mugabe a, a, a réalisé au cours des dix dernières années, il est devenu dangereux aujourd'hui d'être propriétaire de quoi que ce soit. Il y a une guerre contre la propriété. Je ne sais pas si c'est Proudhon ou... Proudhon serait très très content au Zimbabwe. La propriété, c'est le vol, mais on ne sait plus qui vole. Vous êtes... Alors, ça s'explique, ça s'exprime de, de plusieurs manières. Vous vous attaquez à la propriété des pauvres. Et de ce point de vue, un des, des sites... À la place des terroirs Jean-François, lorsqu'on fait la géographie, si on veut faire la géographie politique du continent aujourd'hui, effectivement, la ville, la ville devient un théâtre absolument critique de ce point de vue. Mais pas seulement la ville dans son ensemble, les bidonvilles, le bidonville, le bidonville est devenu le site par excellence des luttes en cours. Alors, euh, lorsque ça, ça pète entre Odinga et, et Kibaki, qui paye Ce sont les gens de, de Matare Valley. Propriété brûlée. Euh. Au Zimbabwe, lorsque Mugabe veut garder le pouvoir, il envoie les bulldozers contre le, le, euh, le bidonville qu'il a rasé euh, complètement. Un, un bombardement aérien, vous rasez tout. Et les gens perdent le peu qu'ils avaient dans un effort pour les repousser dans les, dans les villages, où ils vont être euh, euh, beaucoup mieux contrôlés par les chefs traditionnels, euh, et ainsi de suite. Et, et, et donc, euh, euh, la question de qui appartient à, 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 euh, à quoi et, et qui a droit à quoi est devenue, disons, ces deux questions, sont les questions centrales autour desquelles se détermine. Euh, la, la citoyenneté aujourd'hui. Euh, euh, la question de la propriété, on, je pourrais vous donner d'autres exemples en Afrique du Sud. Euh, ici, là, vous avez vraiment une situation euh, où en quelques années, les possibilités de mobilité, d'ascension sociale ont été démultipliées. En, euh, vous vous réveillez, vous avez 30 ans, 30 ans, 35 ans, en un an vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire en un an grâce effectivement au mécanisme euh, be Black Economic Empowerment. Euh, euh, alors, euh, l'imaginaire créé par, par cet afflux euh, d'argent euh, 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 c'est assez étonnant lorsque vous, vous, vous visitez une ville comme Johannesburg. Euh, euh, quelle idée du temps euh, résulte de cela, un temps court, bref, et résumé à l'instant, euh, la vélocité euh, dans la circulation euh, euh, des positions et des marchandises, euh, tout cela, il me semble, complique énormément la question de la citoyenneté. J'ai laissé de côté celle de la souveraineté parce que j'imagine... Euh, merci, merci Achille. On va ouvrir la, la discussion. Ce que je vous propose, puisqu'il euh, y a beaucoup de monde dans la salle, c'est de prendre trois, quatre questions que l'on pourra essayer de, de ramasser afin que euh, Achille puisse y répondre. Merci donc de poser des questions courtes que vous présentez très brièvement. Euh, le micro va, va circuler. Si, euh, je, peux vous aider. je suis euh, un master de philosophie et société. Je voudrais poser une, une question au compatriote Achille. Parce que en tant que Camerounais, il y a un débat qui a cours en ce moment au Cameroun sur la révision constitutionnelle. Quand on sait que la révision de 96 prévoyait deux septennats et qu'aujourd'hui on veut les réviser la constitution pour une nouvelle élection du président de la République. Je ne sais pas quel commentaire cela vous inspire en ce moment quand on connaît vos positions critiques par rapport au régime en place. Merci. Bonjour Achille. Euh, deux questions en fait qui peuvent, euh, qui peuvent paraître euh, assez lointaines l'une de l'autre. Mais euh, pardon? Ah pardon. Euh, Dominique Malaquet au CMAF, au CNRS. Euh, la première, Jean-François, t'as demandé quel était le lien entre l'Achille euh, des premiers textes sur Oumniobé et l'Achille de la post-colonie et celui qui écrit aujourd'hui. Et je suis frappée par un fait, c'est que euh, le genre d'utilisation euh, d'un langage alternatif différent autre qui sortait euh, du, du carcan académique apparaît bien sûr tout de suite dans Oum, euh, avec ton travail sur l'onirique. Euh, et pourtant, pourtant, voilà deux textes, des, tes deux textes sur Oum Nyeubé, qui n'ont jamais été publiés en anglais. Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on a en Omniobé euh, un, un personnage, enfin il y a eu des bribes ici et là, euh, j'en sais quelque chose, je suis une de tes traductrices, mais euh, euh, le, le fait est qu'on a en nous un personnage que tu travailles de telle façon qu'il pourrait complètement révolutionner la façon dont même aux États-Unis on pense la décolonisation. Comment expliques-tu le fait qu'on ne se soit pas beaucoup plus penché sur ce, euh, cette partie-là de ta carrière Première question, aux États-Unis j'entends. Hein. Et euh, deuxième question portant sur, euh, sur l'Afrique du Sud, euh, nous en avons déjà parlé, je, je pense que tu as, tu as tendance à en présenter parfois une image un peu trop, un peu trop belle. Euh, il y a effectivement Black Empowerment, euh, il y a effectivement Basic Services Rendition, mais le fait est que euh, ça marche très mal. Ça marche très mal parce qu'il y a un nombre extraordinaire de personnes qui sont sans eau, sans électricité, etc., etc., et qui pourtant sont dépolitisées. Et ça, ça c'est une question qui me paraît absolument fondamentale. Comment est-ce qu'on a réussi à créer une situation, et j'utilise un on très général, une situation dans laquelle on devrait avoir des rébellions extraordinaires et au contraire, on met Zuma à la tête de l'ANC Comment est-ce que cela se passe et qu'est-ce que cela pourrait suggérer De nouveau, je sais qu'il nous faudrait un... un de l'IFA pour répondre à cette question, mais qu'est-ce que cela pourrait suggérer pour la suite Merci. Jean Biem. Euh, J'aimerais un peu travailler sur votre télescopage du temps et de l'espace euh, pour pouvoir aboutir peut-être sur justement la productivité maximale si possible de, de, de votre réflexion sur la post-colonie. Euh, D'abord, lorsqu'on réfléchit à ce rapport que vous avez établi entre la marchandise, la vie, le pouvoir, on se rend compte qu'il y a une sorte, du point de vue pas ce temporel, une sorte de télescopage entre le moment de l'esclavage qui est tout de même une sorte de commerce global et le moment actuel. Et on se souviendra que dans les, au, au niveau de la sociogénèse d'un état, état comme celui du Cameroun, on a effectivement d'abord un traité de protectorat entre des firmes allemandes et de chefs douala. C'est de là que sortira l'État du Cameroun. Donc ici, la vie, la marchandise commence avec un rapport entre des chefs locaux et des firmes multinationales désormais. Alors, est-ce que vous pouvez partir de là pour comprendre, peut-être euh, établir un rapport de palimpseste entre cette sorte de globalisation qui arrive avec l'esclavage, avec la colonisation, d'une part, et euh, la situation actuelle où tout de même encore euh, l'État, la vie. Et enfin, je veux dire, la vie est gérée en même temps par l'État et le pouvoir de l'argent qui n'est plus concentré par l'État et donc, d'une certaine manière, reporte une certaine capacité de violence plus ou moins légitime aux forces de l'argent. Et donc, si on partait d'un tel palimpseste, comment poser le problème de, si vous voulez, la réflexion de la post-colonie Comment, si l'Afrique était une sorte de paradigme de ce point de vue, Comment pourrait se développer une pensée, une réflexion sur le monde à partir de la pensée postcoloniale qui se saisira de tels objets okay, la Première question sur, le, <laughs> sur le, la, la révision constitutionnelle euh, au, au Cameroun. Euh, je ne sais pas si tout le monde est au courant de, de, de ceci. Alors le, le Cameroun est indépendant depuis 1960. Euh, ça fera bientôt, euh, euh, on est en 2008, euh, 50 ans, un demi-siècle bientôt. Et, euh, et euh, tu, tu suggérais, il y a, il y a un moment, qu'on est déjà vieux. <laughs> Mais a, moi, j'ai grandi sous le président Aïdjo. Le président Aïdjo a régné de 1958 à 1982, soit à peu près 20 quelque chose d'années, presque un quart de siècle. Le président Biya est arrivé au pouvoir en 1982 et il y est toujours. Et donc, il a battu le record de son prédécesseur, puisqu'il est là depuis un peu plus de 25 ans. Alors, euh, euh, il y a quelques années, euh, une réforme constitutionnelle avait eu lieu, euh, dont une des clauses avait été la limitation des mandats euh, au pouvoir, je crois, à deux mandats de sept ans chacun. Alors, euh, 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 l'année dernière, le président a estimé qu'il euh, 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 voudrait peut-être rester un peu plus, et, et donc, euh, il a euh, poussé les forces vives de la nation à, à, à le lui demander, euh, à le prier de, de, de prolonger euh, ce qu'il a accepté euh, avec beaucoup de gratitude. Et donc voilà euh, ce pays. Euh, 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 le président va être là. Euh, pendant plusieurs autres années encore et seule peut-être la mort va, va va le priver de ou l'assassinat va le priver de, de donc voilà où on en est le problème que cela un des nombreux problèmes que cela pose que l'on voit au Cameroun comme euh, ailleurs dans d'autres pays c'est que il y a très peu de pays africains aujourd'hui où les gens sont libres de choisir leurs dirigeants. Le, le droit de, de, de choisir librement ses dirigeants n'est pas encore une réalité euh, incarnée dans la vie politique des Africains. Tout comme les questions de succession. Euh, sont devenus effectivement l'occasion de, de tensions énormes qui, on l'a vu ici et là, ont plongé des sociétés dans des conflits assez meurtriers. La question de la succession étant, pour les historiens de l'Afrique, étant une question très vieille, les communautés politiques africaines, aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, se sont toujours dissoutes au moment des successions, des guerres de succession. C'est une constante historique. Alors, il y, a, il y a cette question de la liberté de, de choisir ses dirigeants et le droit d'avoir des, des élections libres. Je suis, euh, alors, vous savez ce qui s'est passé au Kenya euh, il, y a, il y a deux semaines. Alors, tout le monde arrive, Kofi Annan, il est là, John... Euh, non, d'abord, d'abord, euh, on envoie euh, notre saint prélat là, euh, euh, Desmond Tutu, euh, les Sud-Africains croient que partout, il y a un problème, ils vont y aller, et puis, euh, Commission Vérité et Réconciliation, et puis tout le monde. Donc, on envoie Tutu, euh, John et il y va, euh, euh, grâce à Michelle, euh, la, la veuve de Samora et, et l'épouse de Mandela, euh, dont on mobilise ces deux figures de l'anticolonialisme, euh, euh, et puis euh, l'ex-secrétaire général de l'ONU, euh, Jendai Fraser euh, des États-Unis, euh, tout le monde, allez, venez vous mettre autour de la table. Et puis, mais personne ne pose le problème de, de fond, qui est celui de la liberté, du droit des peuples à choisir librement leurs dirigeants. On vient essayer d'éteindre un incendie que l'on aurait pu prévoir. Et donc, cela ne m'étonnerait pas que euh, euh, au Cameroun, euh, euh, derrière cette espèce d'apparente euh, inertie, euh, 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 un beau jour, on en arrive à, à ce genre de choses, et les amis de M. Biya feraient bien de lui donner des de sages conseils.